Pourriez-vous me dire ce que nous venons faire au palais du Veilleur ? Vous n'êtes pas si futé, finalement. Nous voulions vous éloigner de vos amis. Maintenant, nous allons vous renvoyer sur votre planète, afin d'organiser l'exode de ses habitants. Je comprends mieux. Toutes mes excuses, mais je dois refuser. Comment ? Mais l'apocalypse arrive ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Décidément, vous portez vraiment les humains dans votre cœur. Soyez tranquille. Mes amis ne sont pas en colère. Et moi non plus, d'ailleurs. Nous voulons simplement parler avec vous. Même si c'est la mission que vous a confiée Aideline, cela a dû être ô combien difficile d'aménager la Lune. Et ce, pendant plusieurs milliers d'années. Pourtant, vous avez relevé cet immense défi. Les noms que vous portez sont d'ailleurs la preuve de votre dévouement à la tâche. Nos noms ? Vous voulez parler de la façon dont on se fait appeler en langage humain ? Tout à fait. Un nom est très important, autant pour symboliser les espoirs de ceux qui nous l'ont donné que pour exprimer qui on est. Ce que vous portez nous rappelle une ancienne langue commune et nous permet de comprendre facilement quelles sont vos spécialités respectives. De toute évidence, ces noms démontrent toute la compassion et la considération que vous éprouvez pour le peuple d'Eteris. Mais oui, c'est exactement ça! Nous autres Loporites avons été créés à partir de l'amour qu'Aideline porte à tous les êtres vivants sur Terre. C'est pour ça qu'on aime tant cette planète bleue qui scintille dans le ciel et tous ses habitants. Au fur et à mesure de nos travaux sur la Lune, ce sentiment n'a cessé de grandir en nous. Et pendant tout ce temps, on ne rêvait qu'à une chose, c'était de vous rencontrer. C'est pourquoi je vous en supplie. Il faut absolument que votre peuple fuie l'apocalypse et vienne nous rejoindre sur la Lune. Si nous avons fait des erreurs en construisant cette arche, nous sommes prêts à tout pour les corriger. Ne vous inquiétez pas, rien n'est irréparable. Prenons Singingwe, par exemple. Pour les humains, le mot qui est à l'origine de ce nom signifie bien plus que le simple fait de réciter des paroles en musique. Sur notre planète, il existe un nombre incalculable de chansons. Certaines expriment de la joie, d'autres de la tristesse, mais toutes ont un sens profond et unique. Mapingwe, ton nom évoque un long voyage périlleux aux quatre coins de notre vaste planète. Eteris est couverte de plaines, de forêts, de montagnes et d'océans que les hommes ont dû explorer au péril de leur vie pour en dessiner la carte. Quant à toi, comment t'appelles-tu ? Pudingwe. Oh, comment dire ? Je pense qu'il sera plus facile de mettre la main à la pâte pour illustrer la signification de ton nom. D'ailleurs, je pourrais peut-être me servir d'un sort qui m'a été enseigné par les Pixies. Nous verrons cela plus tard. Non, Livingway, je ne t'ai pas oublié. La notion à laquelle ton nom fait allusion est certainement la plus complexe de toutes. Voyons.
Lorsque j'étais enfant, pour embarrasser une camarade qui m'avait interrompu en pleine lecture, je lui ai demandé sa définition de la vie. Après mûre réflexion, voici ce qu'elle m'a répondu. Vivre, c'est avoir hâte de connaître la suite d'un livre qu'on est en train de lire. C'est espérer qu'on pourra corriger demain les erreurs d'aujourd'hui. Vivre, c'est souhaiter pouvoir retrouver quelqu'un qui nous manque. Oui, je crois que la vie est faite de tous ces petits riens. C'est beau, mais je n'ai rien compris. Personne ne peut vraiment répondre à cette question. Mais que diriez-vous d'essayer ensemble, malgré tout? Cela serait pour nos peuples l'occasion d'apprendre à se connaître. Prends ceci. C'est de l'encre, bleue comme Éthéris. J'ai dû me précipiter pour la préparer, mais je suis plutôt confiant du résultat. Les habitants de ma planète prendront la décision qui s'impose, tu sais. Ils n'ont pas besoin d'entendre une vérité maquillée pour cela. En attendant, que dirais-tu d'écrire la suite de ton livre avec cette encre? Pendant que nous ferons plus ample connaissance, tu pourras coucher sur le papier ce que les Loporites apprendront au sujet des humains, et ce qui doit être changé sur cette arche. Qui sait? Nous découvrirons peut-être ensemble une nouvelle issue qui fera le bonheur de nos peuples. Vous avez raison. Il n'y a pas de mal à essayer. Mes amis, comme vous venez de l'entendre, je vais rester ici pour m'occuper de la Lune avec les Loporites. Sancred, je suppose que vous n'avez pas l'intention d'abandonner Rin à son triste sort. Cela vaut pour vous tous. Je sais que vous vous battrez jusqu'à la dernière seconde pour trouver le moyen de sauver notre monde, sans tourner le dos à ses reflets. Je serai ici pour préparer cette arche, tout en priant pour que nous n'ayons pas à nous en servir. En attendant, vous pouvez partir tranquille. Compris. Si jamais on échoue, on compte sur toi pour sauver les habitants de notre bonne vieille planète. Ne vous en faites pas. Au cas où cela arriverait, nous ferons en sorte d'accueillir le plus grand nombre possible. Héritier compris. Je pense qu'on s'est un peu précipité depuis votre arrivée. Je suis vraiment désolée. Il ne faut pas. On y est allé un peu fort, nous aussi. D'ailleurs, si tu pouvais transmettre mes excuses à Grand Wingway. Ce sera fait. Ne vous inquiétez pas. En attendant la décision des habitants d'Éthéris, nous allons continuer à étudier les humains et leurs coutumes. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais vous révéler l'identité de nos collaborateurs sur votre planète. Oh,
Je crois que ce ne sera pas nécessaire. Il s'agit du conseil de Charlayan, n'est-ce pas? Comment avez-vous deviné? Rien de bien sorcier. Au regard de la situation et de ce que vous nous avez dit à leur sujet, il ne pouvait s'agir que des Charlayanais. Même si on a fini en audience disciplinaire, ça valait le coup de fouiller le labyrinthos et les rayons interdits de la bibliothèque, hein? D'ailleurs, je pense qu'il est temps de rentrer. Alfino et les autres doivent commencer à s'impatienter. Thank you.